Youyou mes chatons, bienvenue en ce samedi, 17 août, il est exactement 7h moins le quart. On s'est levé à 6h et en 45 minutes, ça y est, on a tout regroupé, j'ai refait le lit à la dame, je lui ai mis tout ce qu'il y avait à laver sur le côté, il y a un torchon, deux draps de bain et un gant. Parce que mon kidou, c'était des gants blancs, il n'aime pas. Voilà mes chatons. J'ai rempli la glacière, voilà, il n'y a pas grand chose. Et puis là, c'est le reste de manger dans la glacière jaune. Vous voyez, voilà mes chatons. J'ai tout bien rangé. Ensuite, j'ai vérifié qu'on n'avait rien oublié. J'ai un coup de chaud. J'ai même pas petit déjeuner encore. Je viens de prendre mes médicaments. Je vais petit déjeuner, boire un coup, me reposer le dos. Et puis, j'ai vérifié que tout était bien propre et tout. Je vais remettre un petit coup de canard WC avant de partir. Et voilà, c'est encore plus propre que quand on est arrivé. Il a fallu que je fasse du ménage quand on est arrivé. Allez, on vient d'entendre une chouette. Génial. Elle, elle est partie parce qu'il n'y a plus. J'ai même pas dit. J'ouvre le vlog numéro 278. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouvera pour le départ. Faut bien une fin aux bonnes choses. Bon week-end. Je vous laisse dormir si c'est le cas. Sinon, bon courage. Regardez comme c'est beau la nuit. Ce bruit-là va me manquer. Il est 7h35, nous sommes prêts. Je pense que le temps qu'on descende et tout ça, il sera... quelle heure ? 8h moins le quart. Voilà, 7h45 et il pleut toujours. 8h moins le quart, voilà, je suis dans la voiture. Kidou est parti remettre dans la boîte à clé. Parce que la petite dame ne passera à l'appartement pas avant 10h. Dans la boîte à clé, la clé de l'appartement. Et il va redéposer à l'appartement aussi le bip pour la place de parking. Voilà mes chatons. Et puis je viens de mettre à la dame que tout était bon. Voilà, la clé dans la boîte à clé, etc. Voilà mes chatons. Il est 7h46. Le temps que mon kidou revienne. Il est juste sur le côté, là, voilà, de l'immeuble, d'ici 5 minutes. Et nous partons et nous sommes de retour. À bientôt, la famille. À tout de suite, à ce soir et puis à tout à l'heure, ma grillotine. Ça, c'est cool. La famille est grillote, même si on ne voit plus la mer. Ils sont précieux quand même. Et il pleut. Ouais, de toute façon, quand on va arriver à Troyes, il va pleuvoir aussi. Alors. Mais il en faut de la pluie, il en faut. Ouais, ceux qui arrivent après, ils ont encore 2 semaines de beau. Pas d'inquiétude. Vous arrivez sous la pluie, les nouveaux vacanciers, mais le soleil revient demain. Mes chatons, nous sommes à 180 km de Paris. Il est 10h15 et nous avons encore 345 km. On devrait arriver, s'il n'y a pas de bouchon, à 13h30. Voilà mes chatons, et ils broussillent toujours. On roule entre 110 et 130 en fonction de la pluie. Et il n'y en a pas beaucoup qui respectent, moi je vous le dis. Allez, on continue. 11h, nous venons de faire un petit arrêt pipi, il y a pas mal de monde. Voilà. Il y a beaucoup de 59, 49, etc. Et on va repartir. Ça roule assez bien. Pour l'instant, pas de soucis. Et la pluie a presque cessé de tomber. Il y a quelques petites gouttes. Mais ça fait du bien. Il fait pas froid. Hein. Il fait une 20aine de degrés. Allez, on reprend.
Ça va aller, mon doudou? Tu veux refaire une petite pause? Tu veux attendre encore un peu? Bon, bah, c'est parti. Nous avons un mini bouchon sur le péage pour arriver sur Paris. Il est exactement 11h50 et nous sommes à 20 km de Paris, à peu près. Et nous avons encore 2 heures de route pour arriver dans l'aube. On arrivera vers 14h. Parce que là, ça bouchonnette un petit peu. Mais ça avance parce qu'on a le... Vous savez, le détecteur de passage automatique au péage. Donc, nous, on continue d'avancer pendant que... Ah, putain ! Il y en a un qui nous a fait une queue de poisson sans mettre de clignotant, rien du tout. Un Deutsch. Connard ! Oh, putain. Heureusement que Kidou, il a eu du réflexe. Hein. Je vous le dis. Non, mais il a mis un grand coup de volant. Allez, à tout à l'heure. Et c'est parti, ça démarre. Ouh là 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 là, ça fait la course. Hein. Bon, ben, bonne chance. Nous sommes un petit peu ralenti sur la francilienne. Voilà, ça roulait bien, mais d'un seul coup, je dis à qui, oh, ça roule bien. J'ai porté la poisse. Et ben là, on n'est plus au ralenti, là, on est à l'arrêt. Enfin, pratiquement. Ouais. Bon, ben, on va prendre notre mal en patience. Il y a quand même moins de monde que prévu. Parce que midi, je pense que beaucoup de gens se sont arrêtés sur les aires d'autoroute pour manger. Et voilà, nous avons passé le département de l'Aube. Il est 13h15. Nous n'avons plus que 30 minutes de route normalement, c'est-à-dire 38 km. Et nous arriverons. Donc, 13h45, 13h50, le temps de faire les feux rouges, etc. Un peu moins de 14h, on sera arrivé à la maison et nous sommes dans le département de l'Aube, ça y est. Et on a eu de la pluie tout le long. Et voilà, nous arrivons dans un quart d'heure, nous sommes vers Sainte-Savine. Voilà mes chatons, ma petite griotte, ma sœurette, papa, maman, on arrive et toute la famille. Et voilà, nous voilà de retour à la maison avec ma petite griotte qui dort. Mon bébé, maman est revenue. Petite chérie, on a tout ouvert parce qu'il doit faire, je crois qu'il fait 28 dans l'appart. Ouais, donc on a tout ouvert. Bon, bah souhaitez-moi bonne chance, j'ai tout ça arrangé. Ça, ça, ça et ça. C'est parti, je vous dis à tout à l'heure, voire à ce soir. Ben, mes chatons, je vous reprends, il est... 15h45, j'ai mis plus d'une heure et demie à tout ranger. Tout est bien rangé, comme vous pouvez voir, voilà. Ce soir, je ferai ma petite griotte en entier, qu'elle soit bien toute propre, impeccable. Ça fait 2 semaines, bon, elle n'est pas sale, mais qu'elle est dans sa petite litière, même si ma sœurette est encore merci, je l'emmènerai au resto chinois avec mon kidou. Venez... tous les 2 jours, voilà, changer son eau, la litière, etc. Je vais remettre du foin, du chanvre frais, etc. Tout secouer, retirer les petits caca et tout et tout. Voilà, on a géré... je viens de faire tous les petits paquets, les cadeaux, hop, pour la famille. Tout est là, j'ai fait des sachets. Voilà, comme ça, tout est bien rangé. On a rangé... j'ai rangé la valise, j'ai branché mon ordinateur, et puis là, Kidou est dans le bain. On va prendre un bain parce que moi, je suis douloureuse comme tout. Là, il y a le courrier de Sylvain et Carole. Je vous fais des bisous. Et là, mes commandes, Timou, que je gérerai ultérieurement. Je n'en puis plus. Voilà. Et puis, on a aussi reçu une commande. On n'était pas là et je dois gérer aussi un partenariat d'Elia, Madame Glam, j'ai eu des frais de douane. Voilà mes chatons, tout est fait. J'aurai plus que ma petite griotte et passer l'aspirateur partout ce soir. J'ai mis une lessive. Je vais mettre une lessive de linge en route quand on aura tout mis au sale, après, pendant le bain. Et puis j'ai mis également une vaisselle, lave-vaisselle en route parce que on a oublié de le vider en partant, donc
C'est resté enfermé dans le lave-vaisselle, donc je le remets en route. Ça va rincer tout ça, ça sent trop le citron, j'aime pas du tout. Voilà mes chatons, donc tout est rangé. J'ai mis mes petites manettes. Hop là, ouh, j'ai mal au dos. C'est là ma poupée. Je vais m'occuper de ma fille ce soir. Ça, je le mettrai au lave-vaisselle ce soir. Ce sont toutes les petites affaires dont ma soeur s'est servie pour ma criotine. Voilà, il y a ces petites affaires qui sont là. Là, c'est le sel qu'on s'est ramené. Du sel de Guérande. On va se servir que de ça. On ne va plus acheter de sel fin, etc. Alors, de la fleur de sel qu'on a payé la peau et les fesses. Ça aussi, de la fleur de sel. Donc, il nous en voulait. Et 5 kg de gros sel. Alors ça, et puis, on s'était acheté aussi un petit récipient comme ça. Un pot pour le sel marqué Pornic. Comme ça, on se servira de la petite cuillère pour servir du gros sel. Et j'ai mis mes petites magnettes. Alors, légende à Parc, où il y avait les loups, etc. Là, océarium du Croisic. Là, comme quoi on est allé à la Baule. Qu'on est allé au Croisic. À Pornichet, voilà, à Guérande. Et puis ici, Pornic. Voilà mes chatons. On n'a pas pris... Ben, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de magnette de Saint-Nazaire. Mon kidou gérera le sel. Voilà mes chatons. J'aurais plus que ça à nettoyer. Faire ma griotte, passer l'aspirateur... On a tout rangé, le frigo aussi. Hop, la valise est pliée. Ça, c'est ce que je dois faire en vidéo. Je suis en retard. Et voilà. Et on nous avait prêté... Ça, c'est à remettre dans la voiture. Vous avez prêté une cage. Au cas où ma sœurette ne puisse pas venir s'occuper de griotte, on l'aurait emmenée avec nous. Mais elle a pu venir. Et puis ici, bah, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de place. J'ai mis mes jolis loups en 3D. Ça va pas du tout avec l'entrée, mais je gérerai ultérieurement. Et sinon, bah, tout est rangé, la chambre est rangée, tout est rangé. Voilà, valise mise là, j'ai rangé les chaussures. Voilà, les petites affaires de ma griotte. Oups, et j'ai rangé tout mon maquillage. Voilà mes chatons. Et ça, tous les cadeaux. De la bière bretonne, des purs beurre bretons. Un couteau trois, un couteau... multifonction, le Pornic, bref, du sel pour tout le monde, ils m'en avaient tous demandé, voilà, voilà. Allez, j'attends que mon kidou finisse de prendre son bain, et j'y plonge et j'y reste. À tout à l'heure. J'attends 17h, je sors du bain, je vais en profiter pour faire mes jambes jusqu'au genou. Parce qu'on a besoin, ça fait 2 semaines. C'est parti. C'est pas que j'en ai la force, ça fait du bien. Enfin, on a pris un bain, bon, c'est exceptionnel chez nous, mais on prend des fois, quand on a des douleurs, on prend un bon bain d'eau chaude et ça fait vraiment du bien. Et regardez, je sais pas si je vous ai montré où j'avais mis Coin-Coin. Il est là. Trop mignon. Encore merci, mon kidou. Donc c'est parti. Allez, on s'épile. Les patounes. Où c'est que je suis? Ah, j'ai zoomé, excusez-moi. On s'épile les patounes. Alors, mes chatons, il est 18h. Je me suis fait les mollets. Je viens de détendre. Hop. La lessive. Comme ceci. Alors, il y avait une partie des vêtements qu'on avait mis avant de partir en vacances. Et puis, bah, les pyjamas. Et ce qu'on a mis aujourd'hui pour la route, on a tout mis à laver. Voilà mes chatons, tout est fait. Là, je viens, j'en ai profité pour nettoyer, vous savez, le socle de soupline, etc. Il est tout imprégné de soupline. Voilà, voilà mes chatons. Allez, sur ce, je m'attelle à m'occuper de ma petite griotte. Et puis, j'avais récupéré un petit bissel, mais... Il ramasse rien. Donc je vais le mettre à la déchetterie. Enfin, je vais le mettre en bas de la poubelle si quelqu'un veut le récupérer, ma foi. Je vais m'atteler à faire mon petit chaton d'amour. J'ai vu son petit bout de nez tout à l'heure. On aurait qu'il y a quelqu'un. Coucou. Néné dou. Mon petit mamoun. Oh, c'est mon petit mamou, ça. Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un au fond? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Regardez. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous voyez. Bonjour. Bonjour, Grillade. Oh, mon bébé chat. Mon petit amour. Oh, mon petit amour. Elle est là, ma fifi. Bon, permettez, on va lui faire des gros cols. Hein? Bonjour, mon petit chat. Oh, qu'est-ce que tu nous as manqué, ma petite poupée d'amour. Oui, tu as de la paille dans l'œil, ma fille. Bonjour, mon chat. Oh, c'est ma loulou d'amour. Maman va regarder si tu vas bien. Allez, on s'occupe d'elle. Oh, je vais lui faire des bisous de votre part. Griotine va très bien. J'ai fait ça de cage en entier. Ouf, j'en peux plus. Elle vient de prendre sa petite cacahuète dans la bajou. Oh, mon petit chéri d'amour. Oh, il a fait un gros câlin. Elle a maigri un petit peu, certainement la chaleur. Pourtant, elle buvait. Hein. Là, tout est propre. Le chanvre, le foin, les dodos. La gamelle, j'ai tout lavé. Moi, tu m'as mouillé, ça. Oh là 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 là. Elle pète le feu, merci tata. Oui, je pense qu'elle a eu chaud quand même. Elle faisait 28. Même si ma soeur, elle aérait de temps en temps, chaque fois qu'elle venait, ils ont eu très très chaud. Et elle a perdu de l'eau, Nini. Mais je vais la remplumer. Oh, moi, Fifi, j'ai donné de l'endive et de la pomme. Une noisette, des petits bloches de verre de farine. Ben dis donc, j'en mets plein les bayous. Tiens, je vous tourne le dos. À tout à l'heure, Grillotine. Mon petit chat, ça nous fait plaisir de le voir, de la voir. Bisous, mon petit ange. Mes chatons, il est exactement 19h10. Eh bien, je suis en train de faire des petites coquillettes. Voilà, nos régions du talent. Voilà. Et puis, un yaourt et un fruit pour mon kidou. Et moi, je vais râper du bon parmesan qui vient d'Italie, que mon papa m'a ramené, du fromager. Il est trop, trop bon. Et c'est du vrai. Merci, papounet. Mes chatons, je vous dis à demain. Exceptionnellement, je clôturerai le vlog demain, voilà. Je ne fais pas de ménage parce que bon, on n'était pas là des 15 jours. C'est propre, tout est changé, les serviettes de bain et tout. Ma petite griotte, elle fait un foin dans sa niche, c'est trop bien. Elle a fouillé tout le foin, j'ai caché des petites gourmandises, etc. Elle a pris tous les dodos, j'en ai refait. Elle est heureuse comme un pape. On va la laisser tranquille ce soir parce que quand le nid a été refait complètement, elle aime bien remettre à sa sauce et elle fouille toute la soirée, etc. On la laisse tranquille. Et puis, elle a bien bu au biberon. Là, j'ai ouvert toutes les fenêtres, sauf le balcon. Comme ça, ça va bien se rafraîchir. Je vais vous dire, il faisait 28 quand ma soeur était là. Il fait 24. On a perdu 4 degrés. Je suis trop contente. Ma petite griotte va être beaucoup mieux. Et nous aussi, entre parenthèses. Je vous dis bonne soirée et à demain. Bonjour mes chatons. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 18 août. Il est 10h15 et je suis en train de répondre à vos doux commentaires. J'ai passé une nuit exécrable. Il fait combien? Ah, hé hey, Kidou, il s'est redescendu à 22 degrés dans la maison. C'était monté à presque 28 et il ne fait que 22 degrés. On a fait les courants d'air toute la nuit et pourtant il fait moche, il fait frais, il fait 18 degrés dehors. Voilà mes chatons, et ben, je suis bien contente pour nous, mais surtout pour ma petite griotte. Allez, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux. J'ai un colis à faire, c'est du renvoi à Timou pour demain. Demain nous irons à la poche, j'ai fait un chronoposte. Et puis, on doit aller à la poste chercher un colis également, parce qu'il nous attend depuis qu'on est parti en vacances, et on a jusqu'à demain ou mardi pour aller le chercher. Voilà mes chatons. Allez, sur ce, je regarde vos doux commentaires, mes emails, et je vous dis à tout à l'heure, bon dimanche. Ici, il n'y a plus toute la nuit. D'ailleurs, ça a fait du bien. Et il fait tout gris et 18 degrés. Ça fait du bien parce que ma sœurette m'a dit que pendant les 15 jours, là, il y avait eu des 38 degrés. Donc, pour la nature, pour les humains, pour les animaux, la faune et la flore, ça rafraîchit et on est content.
Et pour les autres départements où il y a des canicules et où il y a des incendies, j'espère également pour vous. Je suis en train de préparer à manger mes chatons, il est midi moins 10. Alors du vite fait, hein. Il n'y a plus grand chose à manger. Et j'ai décongelé de la viande, mais elle n'est pas encore décongelée. Enfin, j'ai sorti de la viande. Là, je suis en train de faire chauffer des tripes à la mode de Caen. Ça fait sous vide. Hop. Et là, j'ai ouvert une boîte de brocoli, pas de brocoli, de choux Bruxelles. Voilà, j'ai assaisonné, tranquille. Voilà, et je suis en train de faire cuire des tagliatelles, nos régions du talent, voilà, pâtes d'Alsace. Ce sont des nouilles. Voilà, une portion de légumes, une portion de tripes et une portion de pâtes. Ce sera complet. Allez, je mets la table et voilà, petit repas tout simple. Alors moi, j'ai 6 kilos à perdre, hein. J'ai repris 6 kilos, pas de Bretagne. Bretagne, j'ai pris 2 kilos. Et mon Kidou, 1 kilo seulement. Bravo Kidou. Moi je le vois, hein. J'ai repris 6 kilos sur mes 14 kilos perdus, donc ça va pas du tout. C'est ma faute. Hein. Et puis cet après-midi, je ferai un petit coup mon sport avant d'aller à la douche. Tiens, d'ailleurs, je vais allumer mon ordinateur. Hop, je suis en train de répondre à des partenariats. Hop. Et depuis ce matin, je suis toujours sur le même parce que je suis en train de choisir. J'ai le droit à 110 euros de bijoux. Je leur envoie ma sélection. Et ensuite, c'est eux qui me contactent, etc. Il faudra que je fasse une vidéo, que je leur envoie, etc. pour voir si ça leur convient. Bref, c'est pas encore fait. Et j'ai encore 5-6 messages comme ça. Voir ce que c'est comme partenariat. Il fait 18. Mon papou, il me dit... C'est vous qui avez ramené le mauvais temps de Bretagne. On a eu l'été pendant 15 jours. Et voilà, aujourd'hui, 18 degrés, c'est l'automne. Regardez comme ça a poussé. Ma sœurette s'est servie en fraises, on lui a dit, hein, n'hésite pas, elle en a eu plein des petites fraises. Elle s'est régalée pendant les 15 jours. Voilà. Oh, ma lavande, elle sent bon et elle a poussé. Hein. Et là, il fait pas beau. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vais m'occuper du repas tout simple. Mes chatons, il est 16h, bien tassé. Je me suis endormie. C'est pas bien, c'est pas bien. Je vais faire mes soins cheveux. Qu'est-ce que je vais mettre? Une petite huile, comme ceci. Voilà, que j'avais eu chez Nose. Hop. Un soin que j'avais aussi eu chez Nose. C'est quoi ça? Hop. Visible Repair. C'est un soin que j'avais eu chez Nose à 2,50€, comme ceci. Protection, baume réparateur. Huile d'amande douce et de soie, appliquée sur cheveux humides, ne pas rincer, mais moi je vais rincer. Voilà, quand vous allez au soleil assez longtemps, je vais mettre ça également. Et puis je vais utiliser, hop là, excusez-moi, mon baume pour cheveux de chez L'Oréal Elsève. Il y a 310 ml. C'est un masque SOS. Voilà mes chatons. Je vais mettre ces trois choses-là. Et surtout ça, ça m'a l'air assez bien. Et pendant ce temps-là, pendant que ça fera effet, je vais essayer mon petit rameur que je m'étais acheté. Hop. Voilà. À 65 euros au lieu de 200 euros sur Amazon. Je crois que c'était Amazon, hein. Décathlon, non, c'est Amazon. Et voilà mes chatons, et j'irai à la douche. Je vous dis à tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance et bon courage. Et ben mes chatons, 17h45, je vais clôturer le vlog là. J'espère qu'il vous aura plu malgré la reprise de la routine dans l'aube. Voilà mes chatons, je sors de la douche. J'ai fait mes 10 minutes de sport en arrêtant 5-6 fois.
Ouais. Mais j'ai fait mes 10 minutes, j'étais trempée comme une soupe et j'ai sauté dans la douche, ça m'a fait trop du bien. Et bien là, je vais me mettre sur mon ordinateur pour essayer de vous mettre au plus tôt possible ce vlog qui, j'espère, vous plaira. N'hésitez pas à me contacter dans les commentaires si vous voulez me faire des petits coucous tout simplement, etc. pour qu'on communique, qu'on échange. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo si vous voulez d'autres vlogs. Et puis surtout, si vous voulez me faire encore plus plaisir, et ben vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche du haut pour ne pas rater les vidéos futures. Si le cœur vous en dit et si vraiment vous voulez voir les vlogs et la Caramella Family à la suite de ces vidéos. Allez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis encore merci pour tout, pour vos commentaires sous les vidéos de mes vacances qui vous ont plu énormément, qui vous ont rappelé des souvenirs d'enfance pour la plupart. Moi j'ai été ravie, ça me manque déjà. Je vous embrasse fort, faites attention à vous, à vos proches. Bisous mes chatons.